Salut à toutes et à tous, c'est Crane, on est en live, on continue notre découverte, un jour, un jeu du mois de septembre. Alors normalement je fais quasiment que des nouveaux jeux, mais là c'est une petite exception, peut-être une exception qui reviendra toutes les semaines. Pourquoi ? Parce que je me suis dit que ça pourrait être cool de vous présenter les jeux gratuits sur l'Epic Store. Toutes les semaines il y a un ou deux jeux offerts, donc si j'arrive à streamer le jour même et à mettre la VOD sur YouTube le lendemain, ça permettra à un maximum de gens d'être au courant et de profiter de ces jeux gratuits, parce qu'en général c'est des très bons jeux. Cette semaine, il y a The End is Nigh et le jeu Abzu qu'on va tester ce soir, donc plutôt contemplatif, qui rappellera Journey, tout ça. Je crois que d'ailleurs que c'est les mêmes devs, si je dis peut-être des bêtises. Je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas, ce sera dans le même genre. Donc voilà, profitez de ces offres gratuites toutes les semaines, des bons jeux, et ce serait dommage de passer à côté, surtout pour tous ceux qui sont peut-être étudiants ou je sais pas, en galère d'emploi ou autre, donc ont des galères de thunes et qui se disent bah, j'aimerais bien jouer à pas mal de jeux, mais je peux pas non plus dépenser 20, 30, 40, 50 euros à tour de bras par jeu vidéo. Eh bien, il y a des excellents jeux qu'on peut trouver gratuits, voilà, comme Abzu qu'on va découvrir ce soir. Voilà, voilà. Allez, Zou, c'est parti. Hop. Oui, c'est les mêmes devs. D'accord, d'accord. Hop, j'en profite aussi pour rappeler que maintenant j'ai un code Epic Store, MV Crane, il va changer, donc MV Crane, je l'écrirai probablement dans la description, ça sert à rien sur un jeu gratuit, mais juste je voulais vous le dire, et il va changer par la suite en Crane quelque chose, mais pour l'instant c'est juste ça, voilà. Allez hop, c'est parti, nouvelle partie. Prenons-en plein les yeux. Caché pour le début. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ils font peur, ses yeux. Ok. Appuyer pour plonger. Tu veux que j'appuie sur quoi? Appuyer sur quoi? Je veux bien. Appuyer pour plonger. Ah, sur le truc qui est en blanc derrière. Ok, j'avais pas vu. Oh. Oh, caméra. 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 Maintenez pour nager. Ok. Caméra. Caméra. Ok, faut s'habituer. Wow. Accélérer. Wow. Faudrait que je remette la cam, mais j'hésite presque à pas la remettre tellement c'est joli, quoi. Oh, c'est paisible. Après avoir joué à Children of Morta juste avant de lancer Abzu, c'est pas la même. Maintenez pour montrer. Pour monter. Ah. Wow. On veut te voir nager. Attends, reviens. J'ai grave du mal avec les contrôles. C'est ouf. Alors attends, faut que je comprenne la logique. Ah, c'est chouette. Hein. Bon, est-ce que vous voulez avec la cam ou sans la cam? C'est très très chouette. C'est de la bonne cam en tout cas.
C'est un fond comme celui-là qu'il me faut sur No Man's Sky, mais tellement, tellement. Les petits poissons. Donc est-ce que c'est un autre sur lequel on doit monter ? Est-ce que tu... Oula, oula, oula. Est-ce que tu voudrais, par exemple, qu'on... Non, 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 non. Ah ! Caméra ! Caméra. Alors, dans l'idée, j'imagine qu'il faut... Oh, mais je galère tellement à me diriger. Avec... Ok, bah, allez, on va mettre... Donc, je me suis dit dans l'idée qu'il allait m'aider... Mais non, mais où tu vas? Je comprends rien. Qu'est-ce que tu fais? Ah, attends, il faut que je comprenne. Ça me permet... Caméra qui descend, caméra qui monte. Caméra à gauche, caméra à droite. Ok. Ça tourne le personnage. Vers le haut pour plonger et vers le bas pour... pour monter. C'est ça qui est pas habituel pour moi. Et du coup, j'avais l'impression qu'il voulait que je passe à travers ça. Oh, il y a un truc là. Oh, mais il y a quelque chose là en fait. Appuyez pour interagir. Ah, on va peut-être aller plus vite. Ah non. C'est un copain ? Ouais, les commandes ont l'air d'être inversées. Ok. Mais c'est une question d'habitude. Alors, là, il y a quelque chose. Là, je lui ai dit... Je lui donne l'ordre. C'est pratique, ça ? Il est très très efficace le Billy. Oui, il y a un requin. Ils sont gentils les requins ? Oui, ils sont gentils les requins. C'est un mythe le requin pas gentil. Son problème c'est quand il prend pour un poisson et qu'il a faim. Ah, il y avait quelque chose ici. Caméra. Qu'est-ce que ça donne? Ok, j'ai trouvé un petit coquillage. Plus que deux. Tu fais la blague à chaque fois qu'il y a des coquillages. On monte. Ah, c'est rigolo ce petit temps d'adaptation sur les commandes inversées. Cette destruction du corail, j'avoue. Oh, ça fait du bien. Je peux vous dire que là, tout de suite, dans ma vie, ça fait du bien de faire ça. Oh. Dans l'autre sens. Ah, qu'est-ce qu'il y a ici? Ok. Eh ben, très bien. Allons-y. Je suis dans l'eau, là, ou je suis au-dessus? On est d'accord, je suis au-dessus de l'eau. Je suis en train de nager au-dessus de l'eau. Pas de problème. Ça me va. Ok. Des petits traits.
Qu'est-ce qui se passe? Mais je suis déjà dans l'eau, pourquoi il y a de l'eau qui arrive? Je ne comprends pas. Ok. C'est de l'oception. Allons par là. Ah, c'est beau. Regardez les petits traits. Ah, c'est très chouette. Alors, qu'est-ce que c'est censé représenter tout ça? Caméra, caméra! Des Égyptiens? Ils sont partout. Ok. Ah, il y a même l'ombre et tout. Je galère tellement avec les contrôles. Mais ça rajoute au plaisir en vrai. Je sais pas, voilà. C'est pas assez galère pour que ce soit frustrant. Ça me fait plus rigoler qu'autre chose. De me voir pas réussir à intégrer une simple inversion de mouvement comparé à des... Oula! Ah non, non, tu fais pas peur le jeu. Hein. On m'a dit jeu mignon. Hein. On m'a pas dit jeu des requins qui arrivent d'un seul coup et... Je crois rien. Hein. On m'a dit jeu mignon. Vous voyez qu'on peut rentrer là par là? Bon attendez, parce qu'il y a un truc qu'on fait pas depuis tout à l'heure, mais... Ah, c'est compliqué. Faudrait que je me tourne pour vraiment avoir des vues. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ok. Je fais pas souvent de la plongée, mais je sais pas s'il y en a d'entre vous, certains d'entre vous qui en font. Mais je l'imaginais pas comme ça. Je vais peut-être faire de la plongée, hein, parce que c'est très cool. Hein. De toute façon, ça peut pas être mignon tout le temps, on va bien se passer un truc. Donc là, le courant nous emmène par là. Ah, et on ressent vraiment le courant. Oh, cool. On va passer dans le banc de poissons. Oh, ils viennent avec moi. Oh, cette classe. Attends, attends, attends. Voilà. Prenons les bancs de poissons. Yes. Merci beaucoup, HSBTQ. Merci beaucoup pour les 21 mois. Merci, merci. Oh, je l'ai raté. Oh non, le fail. Ah, je pensais que c'était bon. C'est pas grave. Tu veux que j'aille où? Par là? Oh, caméra, caméra. Remontez. Yes. On va pas le perfect. C'est des petits dauphins? On a des petits dauphins? Oula, ils sont loin. Oh, je les ai eu. Caméra! Descends! De l'autre côté! De l'autre côté! Ça va. Yes! Non! Non, caméra! Ah! 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 Ça. C'est juste des petits poissons. Et encore le requin. J'espère que ça deviendra notre copain parce qu'il y en a marre des requins qui sont méchants. Mais
Mais qu'est-ce que c'est bien ce type de jeu? T'as l'air de vouloir que j'aille à la surface, c'est ce que t'es en train de me dire? Ou pas du tout. Ça fait quoi si je vais à la surface? Ah, je peux vraiment nager à la surface, tout ça. D'accord, ok. Et bah, let's go! On retourne dans l'eau. C'est avec quoi pour aller dans l'eau? Comme ça. Il y a une grotte là-bas. Je croyais que c'est ça. Merci beaucoup Stéphane pour les 25 mois. Merci, merci. Je sais pas, je vois une grotte. Qu'est-ce qui se passe si tu tournes trois fois sur toi-même dans ce jeu et que tu sais plus où t'es? Ah, on a retrouvé un copain. J'ai pas essayé de faire comme les dauphins et de voir si je pouvais sauter hors de l'eau. Alors où est-ce que vous voulez que j'aille? On va nager, on verra bien. Les dauphins ont l'air de me dire par là. Ça a l'air très vite par là, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Non, là tu me dis d'aller là. Oula! Un poisson qui mange les autres poissons. Ah, là-haut il y a quelque chose. Hein. Puis même la musique, tout ça. Ok. Est-ce que j'ai moyen de savoir où je dois aller? C'est quoi ça en bas? Ce truc blanc là. C'est peut-être ça? Ça c'est bizarre ça. Bah très bien. Appuyez sur la touche affichage pour méditer. C'est quoi affichage, c'est ça? Ok, je peux me déplacer de banc de poisson en banc de poisson. Donc tu peux devenir le petit poisson. Enfin, devenir. Te mettre du point de vue des petits poissons. Ah, non, ça c'est d'où je viens ça. Poisson, perroquet, bicolore. Ah mais ça donne, ça dit ce que c'est comme poisson. Ange de mer impériale. Attends, moi je veux savoir ce que c'est celui-là. Je peux ou pas? Non, je peux pas. Ok, est-ce que c'est des vraies infos de poisson ou comment ça marche? Baliste Picasso Claire. Est-ce que quelqu'un peut regarder sur Google si la baliste Picasso Claire est quelque chose qui existe? Tu l'as déjà vu. Oui, c'est ça. D'accord, c'est des vrais poissons. Le Plectropomus leopardus. Alors, par contre, il y a 7000 poissons. Ah bah si, ça doit être celui-là qui a des traits de léopard, je pense. Ouais, on est autour. On peut tourner autour de lui. Le poisson chirurgien à poitrine blanche. Ok, parce qu'il doit être très bon avec un scalpel, je vois pas d'autre explication. Poisson papillon jaune. Jeune ange de mer impériale. Ange de mer impériale. Demoiselle bleu ciel. Barbier orange. Notre demoiselle bleu ciel. Poisson chirurgien. D'accord, oh, c'était cool. Tu ne crois pas si bien dire pour le scalpel? Qu'est-ce que tu veux? Ok. Donc on a fait ça. On est très très content. Maintenant tu veux qu'on aille où? C'est
serait cool tout ça. Est-ce que ça c'est d'où on vient ou pas? Je pense que oui. Hein. Ouais, ça doit être d'où on vient, non? Ouais, non, ça c'est d'où on vient, c'est sûr. Ouais, non, ça c'est d'où on vient. Je serais sorti là. Et j'ai vu la grotte en face, donc c'est bien ça. On va avancer au pif. On verra bien ce que le jeu nous dit. Replonge. Ah, il y a ce truc là là-bas qu'on n'a pas vu. On va aller voir ça là. Je sais pas si c'est quelque chose, hein, c'est peut-être rien. Ça là. Ah si, c'est quelque chose. Ok. On a permis à des petits poissons globes de s'échapper. Ok. Il y a peut-être d'autres choses à faire au sol, je vais regarder. Ah, ou alors fallait peut-être suivre les poissons globes. Ils sont allés où? Peut-être pas. Je sais rien. Je suis perdu. Ah, ici. Ok, regardez. Je l'avais point vu. C'est bon, on a retrouvé le chemin. Tout va bien. Que tu fais? Pourquoi tu fusionnes avec le... Non, c'est... Ou des tortues? Allez. Bim. Tellement agréable. Ok, là on a tout chopé, je pense. Oui, qu'on n'y pas. Vas-y, tu me refais pas le coup du re. Oh! Il y a des Willy. Attends, je peux pas monter sur eux par hasard? Non. C'est tellement beau. Tellement chouette. Mais non, mais je suis passé dedans. Ils sont tous là à dire pour la horde, tout ça. Oh là là. Oh là là. Ok. C'est super chouette. Hein. Vas-y, on va accélérer un peu. Est-ce qu'il y a de nouveau un requin qui va bouffer le machin? Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Je regarde un petit peu pour le coup. Des épaves. Ok. On va remonter. Ah, non, on va se prendre un mur. Ok.
Ok, on est bon. On va allumer une nouvelle tour ou je ne sais quoi. En volant dans les airs. Oh, je sais plus ce que c'est l'air de l'homme de l'Atlantide. Non, c'est pas ça. Ah si, c'était peut-être... Attends, c'est quoi cette air-là? C'est celui-là ou c'est pas celui-là? Oh, je sais plus. Merci beaucoup, Ban88, pour le Prime. Merci, merci, c'est très gentil. Ah non, ça c'était Hawaï, police d'État. Non, j'ai confondu. Je sais plus ce que c'est le... Je sais plus ce que c'est l'air de l'homme de l'Atlantide. Je savais bien que ça avait un rapport avec l'eau. Elle est connue, il est connu l'air en plus de l'homme de l'Atlantide, mais je m'en souviens plus. Bon, bien évidemment, 80% des gens qui regardent cette vidéo ne connaissent pas l'homme de l'Atlantide. Ouais, mais c'est fini pour moi, Van. Mais c'est très gentil, merci. Tellement beau. Caméra, caméra. On a les petites tortues. T'as pas d'autres petites tortues? Attends, je veux quand même réessayer un truc. Non, ils sont trop loin. Il me donnait la possibilité normalement de... Non, je peux pas. Je vais voir si je pouvais grimper. Oui, 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 oui. Oui. J'ai réussi. Oh là là. On est bon. Yes. Bon alors, la façon dont je me tiens, on... c'est pas grave. Mais du coup, je contrôle le petit banc de... Le petit banc de Willy. Et du coup, je peux aller avec eux là-dedans ou pas? Ça marche. Non, ils veulent pas. Hop. Ok, faut juste que j'arrive à y aller. C'est bon. Encore un requin. Salut, ami Sir Volturian. Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Ça fait un peu plus peur d'un seul coup. On va aller dedans. Ah là là, toute cette vie. Oula! Je sais plus où je suis. Où on est? Mais c'est d'où je viens, ça? Faut que j'aille de l'autre côté. Faut que j'aille là-bas. Ah, il y a une grosse baleine. Il y a plein de requins aussi. Attends, moi je veux voir la baleine. Où tu es, petite baleine? Alors. Reviens. Reviens. Je veux grimper sur une baleine. Oh, je vais y arriver. Oui! Allez! Une baleine à bosse. Comment je contrôle ça, par contre? Alors, si je passe dedans, qu'est-ce qui se passe? Ah, vas-y, je contrôle la baleine. La baleine. Merci.
D'accord, Tanaril. Je vais pas le mettre maintenant, mais j'écouterai après. Merci, merci. Allez, nouvel endroit. Une chaîne au sol. Il a l'air de vouloir que j'aille en face, mais moi je vais aller voir là-bas. Moi. Ah, de toute façon, fallait peut-être que j'y aille. J'ai l'impression qu'il y a un mécanisme à actionner. Oh là, on est très très fort. On est très 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 fort. Apparemment, il y a deux mécanismes à actionner. Et on a encore réussi à faire couler de l'eau dans de l'eau. Ça, c'est la classe. C'est quoi? C'est un gros requin, ça? Ah non, j'ai cru. Non, non, c'est un truc tout plat. C'est quoi? C'est quoi ce poisson tout plat, là? Je sais pas ce que c'est. Il est tout plat. Et si on veut, du coup... Est-ce que je peux aussi me poser là-dessus? Même principe ou pas? Ouais. Ah non, pas du tout. Pas du tout les lapins. Caméra! C'est quoi ces poissons là? Je sais pas ce que c'est. Un poisson lune! Oh. Et là, ça va pas le faire parce qu'on l'a pas trouvé encore. Mais t'es où d'ailleurs? T'es pas fait bouffer? Je l'ai perdu quand? Vous voyez qu'on peut aller là-dedans? Là, il y a quelque chose. Ah bah, c'est lui. Parfait. Petites écrevisses. Allez, viens avec moi. On l'a du travail. D'ailleurs, il y a un bassin qui ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure. Avant de passer dans la nouvelle zone, il n'était plus là. Une raie aigle. Classe. Classe. Alors attends, t'es où? Ouais, où est-ce que je cherche? Je suis peut-être trop bas. On va remonter un peu. C'est là, c'est pas là, non, c'est pas là. Où est-ce que je veux aller? On va retrouver la porte et une fois qu'on aura retrouvé la porte, on sera bien. Attends, ça, ça bouge. Donc je suis complètement du mauvais côté, c'est ce que tu es en train de me dire. Là, c'est la porte, donc c'est là-bas. Waouh, comment c'est simple de perdre la notion du. Mais, passe au-dessus! Ok, c'est là-bas. La notion de l'espace. Allons activer cette deuxième chaîne. Merci. Pas juste un mécanisme derrière. Il est dans une plus grande salle. Enfin, c'est un mécanisme aussi. Mais... Est-ce que du coup on a réussi à ouvrir la porte?
Oui, c'est le GG. On peut pas en avoir plusieurs des robots? Bon non, je pense que c'est un... Il doit y avoir un truc genre dans chaque tableau, t'as un robot que tu trouves et puis... C'est des mini-énigmes mais pas vraiment énigmes pour pouvoir te permettre juste de profiter de l'ambiance et pas de te casser la tête quoi. Et lui non plus je peux pas me poser dessus. Ah bah non. Direction la porte. C'est quoi ça? On dirait des lamantins, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Bah, lamantin, voilà. Oula, oula! Merci de m'avoir emmené jusqu'ici. C'était laborieux, mais merci beaucoup. Il y a tout. Mais oui. Un nouveau cercle avec des petits animaux. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Des ptérois. C'est ça un ptérois? On avait déjà vu, mais je savais pas que ça s'appelait un ptérois. Songe, je veux voir ce qu'il y a au sol. Qu'est-ce que c'est que ces lumières? Des œufs? Des bébés? Où est le? Il y a le gros requin. Qu'est-ce qu'il fait? Tu me manges pas, hein, t'es mon copain. Hein. T'en viens. T'es où? T'es passé où? Où tu es, requin? T'es plus là? Il est plus là? Bon. Moi, je voulais faire une balade à dos de requin. Il a eu peur, peut-être, ouais. On remonte vers la lumière. Où est-ce qu'on arrive? Ah, tiens. On a fini un nouveau... Hein. Un nouvel endroit. Ça nous montre des statues de requins marteaux. On n'a pas vu encore des requins marteaux. Je crois qu'on avait des requins tigres à un moment. Je suis pas sûr. Hop. Ouais, c'est très paisible. C'est très très paisible. Toute cette eau, ça me donne soif. Allez. Nage. Il faut, matraquer le bouton. Non, pas spécialement. Je suis dans l'approximation des contrôles. Ce que je fais marche à peu près, mais je me dis que j'ai pas tout compris. Allez, à nouveau. Tiens, prends ma petite boule. C'est quoi ceux-là de requins? C'est lesquels? Avec le museau plat. C'est des requins baleines ceux-là?
sont beaux. Ils sont tellement beaux. Loin. Oui. Allez. Petit requin baleine. Ça fait quoi si je vais en haut? Tu veux peut-être, tu veux pas monter plus. Ça t'intéresse pas les... Je préfère la profondeur, toi. Quoique... Non, tu veux pas. Ok. C'est là qu'il faut que j'aille ou de l'autre côté? Non, c'est là. Hop. Parfait. Il m'a déposé juste devant. C'était le plus sympa des requins baleines. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, mais c'est joli. Ah bah ce jeu, oui, c'est un jeu de la détente, hein, c'est pas... C'est vrai que je peux renverser le... Non. On renverse rien ici. Si vous avez une interprétation, l'eau du soleil a créé la vie. Très bien, on va y aller. Ça a l'air bien. Salut Apakunsan. Tu veux refaire la même ici? C'est clair. Donc il y a un rapport probablement avec Zelda et la Triforce inversée. Je vois pas d'autre explication. Ça ne peut être que ça. On continue d'avancer. Dans la plénitude la plus totale. De l'eau coule dans l'eau, ouais. C'est classe, hein. Un peu peur, ça, c'est quoi? Ah, viens, je veux savoir ce qui tu es. Alors, Colacanthe. Colacanthe. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de manger les petits poissons? Bon, il a faim. C'est un petit poisson. T'es vraiment en train de manger des petits poissons? Non. J'ai pas bien compris ce qu'il était en train de faire. Il a plus faim. Ok. Non, non. Caméra, où je suis? En bas. On voit le grand requin qui est encore là. Descendre. Tac, tac. Nager. Réussir à retrouver une bonne caméra. C'est bon, on y est presque. Non, mais en mauvais sens. C'est pas grave, ça marche aussi. Non! C'est bon. Mais pourquoi tu changes la caméra comme ça? Ça y est! Ah, il est mis de nouveau, faut regarder tout ça maintenant. Ils ont fait des offrandes aux grands requins?
On va dire que c'est ça. Ah. C'était en bon état. Jusqu'ici. C'était un gros barbuck. On sait rien. Donc est-ce que c'est ça qui te fait disparaître, toi, ou pas du tout? Non, tu me suis cette fois-ci. Non, tu m'as suivi ou t'es parti? Ah non, je pense que tu rentres dans un système ou je sais pas quoi. Donc là, je suis nouveau tout seul. Ah, je suis tout seul. Il va falloir retrouver un petit compagnon. J'ai cru qu'il y avait de la neige. Ah, attendez, il y a un truc chelou là. Ah non, c'est juste des effets de lumière. Oh, une grosse baleine. C'est pas la même? C'est encore une autre baleine, ça, non? Baleine bleue? Avec un bébé baleine? Ok, je te suis, petite baleine. Je peux pas m'accrocher, c'est dommage. Oh. On dit que la neige marine, ça existe, sauf que c'est carrément moins cool que la vraie. Un petit poisson. Bon appétit. Des baleines. Merci beaucoup Nom Nom pour les 13 mois des glouglous à notre crane préféré. Merci, merci. Et du coup, où est-ce que tu veux que j'aille là? C'est bien beau tout ça, mais... Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Bonjour petite baleine, comment vas-tu? Je ne suis pas un petit poisson. Je ne suis pas comestible. C'est beau. C'est magnifique. Ah. Que se passe-t-il? Ok. Avançons. Qu'est-ce que c'est que ça? Bizarre. Oh non! Ok. Ça fait bobo. C'était bien quand il n'y avait rien qui voulait notre mort là. Ah, qu'est-ce qu'on a fait sortir? Des requins lutins! Oh, je le connaissais pas celui-là, tiens. Un requin lutin. Alors j'aurais tendance à dire à droite ou à gauche, mais... Ok. Mon perso a zéro problème de décompression. Oui, enfin il a pas de truc d'oxygène non plus, donc... Là, on a des Thomoptéris. Ben, je connaissais pas non plus. Donc là, il y a une sorte de porte. Mais on voit deux trucs d'énergie. Donc à mon avis, il va falloir suivre les câbles. Ouais. Suivons les câbles. Si on arrive à remettre la caméra.
où je vais, mais j'y vais. Oula, il y en a partout. Oh bon, non. Je me suis un petit peu fait maltraiter là quand même, hein. Mais c'est passé. Tout s'est très bien passé. Exactement comme je l'avais prévu. La personne qui a placé ces mines là, elle a bien pensé son combo. Ok. On va aller là. Qu'est-ce qu'on veut savoir? Lofiforme. Ah, c'est les fameux. Faut un peu peur. Tu joues pas en hardcore. Ah, attends. Comment on le sent? Et lui, il bouge. Ouais. T'as pas l'air d'être très très coopératif. Hein. Alors. Plutôt là, je dirais. Allez, je le sens bien. Je le sens bien. Yes! C'est bon. On est juste mort 17 fois. Parfait. Je trouve que tu as bonne mine en ce moment. Merci beaucoup. Parce que c'est important de savoir rebondir dans la vie. Allez, c'est ouvert. Petit requin qui allait en premier. J'avais pas trouvé. Allez, vas-y. Allons voir ce qu'il y a là-bas. Ah mais il y a de nouveau des mines. Fait. Oh non! Oh non, il faut l'aider! Comment je l'aide? Un copain maintenant? Yes! C'est mon pote! C'est mon pote. Vous êtes pas copain avec des grands requins, vous. Vous êtes jaloux. Il fait tout sombre. Ah. C'est quoi celle-là? Il y a 17 variétés de... de baleines différentes dans le jeu. C'est les grands cachalots, c'est les cachalots. Je peux monter dessus, oui. Un calamar. Un calmar géant. Je te connais pas, hein. T'as tellement des grands yeux. Notre mission est, si vous l'acceptez, réussir à remettre la caméra. C'est bon.
Et on est bon. Allez, une nouvelle évière. Tu as 50% dans cette pièce, ça pourrait être un bon moment pour couper la VOD. Hop. On va... Avant d'entamer la seconde zone, on va déjà finir celle-là. Ah, on voit les tours qui ont déjà été activées à côté. Salut Xyléon. On a mis des petits calmars. Enfin, des petits calamars très très grands. On est des dindons, c'est difficile d'être amis avec des requins. Parce qu'on vit pas au même endroit, mais qu'on se connaît mal. C'est tout. Et voilà, une nouvelle porte s'est ouverte. On va conclure là cette première vidéo sur Abzu. Je le finirai dans la seconde vidéo. Peut-être que certains d'entre vous voudront se garder la fin de la découverte pour eux-mêmes, mais c'est un exemple des jeux gratuits qu'on peut avoir sur l'Epic Store cette semaine avec The End Is Nigh. Donc profitez-en, vivez l'expérience, même si vous l'avez vu, c'est tellement agréable de nager avec tous les poissons autour, de se laisser porter par l'ambiance, par la musique. Et très très content de la découverte en tout cas. Des bisous les glouglous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao tout le monde.